We invoke very pure divine powers. Invoquons les pouvoirs divins. I inculcate powers, but je m'imprègne des pouvoirs et aussi je prends les bénédictions de Baba. But also experience, j'expérimente aussi that how from your image, combien de notre image les différents pouvoirs qui émergent. In my eternal form, dans ma forme éternelle, as a pure and peaceful, étant pur et paisible, un point de lumière, en tant que point de lumière pur et paisible, the qualities which I bring with me, les qualités que j'apporte avec moi lorsque je commence à jouer mon rôle, et je vais retourner avec ses qualités. But to take these qualities with me, afin de prendre ces qualités avec moi, j'ai besoin de les utiliser. So that there are sanskars and my nature. Donc, afin qu'ils deviennent mes sanskars et ma nature faite de ses qualités. Afin que ma nature et mes sanskars soient faits de ses qualités. La première qualité que je fais d'expérience et que Baba me donne, c'est celle de l'amour pur. Power of vibrations of love. Le pouvoir et les vibrations de l'amour. With my breath, avec mon souffle, I use these vibrations. J'utilise ces vibrations to heal, to serve. Pour guérir, my costume, my body. Pour servir mon costume, mon corps. God's love has power. L'amour de Dieu a du pouvoir. So I sustain, I nurture the body. Alors je soutiens et je nourris le corps dans l'amour de Dieu. My thoughts have to be of God's love. Mes pensées doivent être comme l'amour de Dieu. Feeling that love. Ressentir cet amour. Mes sentiments d'amour. Et penser à cet amour.
des pensées aimantes, des sentiments aimants. Mon esprit, mon intellect ont besoin d'être paisibles. But also, intellect remain. Mais aussi, l'intellect doit rester tranquille et calme pendant la journée. Just make your intellect very quiet. Juste tranquillisez votre intellect. Use intellect and then. Utilisez l'intellect et ensuite, pour quelques minutes, laissez votre intellect devenir tranquille. This creates clarity of intellect. Cela clarifie l'intellect et recharge. For creating and making right choices. Il me recharge afin de créer et de prendre les bonnes décisions. Today, many times during day. Aujourd'hui, plusieurs fois par jour, j'ai expérimenté to make intellect silent, quiet. De tranquilliser mon intellect, de le garder en silence. Even if there are situations, même s'il y a des situations de confusion, de manque de compréhension ou de communication, l'intellect n'a pas besoin d'aller ici et là. Make it quiet. Gardez-le tranquille. And let it experience God's love. Et laissez-le expérimenter l'amour de Dieu. The energy of mind also. L'énergie de l'esprit aussi. Functions 24 hours. Fonctionne 24 heures sur 24. And then, you are not able to discipline it. Et ensuite, vous n'êtes pas capable de le discipliner et de le faire, de le garder vraiment paisible et tranquille, frais, cool. To cultivate energy, pour cultiver l'énergie or to accumulate powers. Ou pour accumuler des pouvoirs. Just make your mind also quiet. Faites que votre esprit soit aussi tranquille. Very often during day, this practice. Très souvent, durant le jour, cette pratique va combler l'âme avec tous les pouvoirs et aussi les qualités des pensées. Les qualités des pensées vont être très créatives. Très puissante. So this way I prepare myself.
Donc, de cette façon, je me prépare pour ma forme éternelle. And I feel I'm ever ready. Et je ressens que je suis toujours prêt. Avec ma forme éternelle d'être et aussi de retourner à la maison. Maintenant, prenons le drishti de Baba. Et fondez vos pensées dans votre intellect. Laissez l'âme recevoir le pouvoir de Baba. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 4, 9 nights of the goddesses, awakening powers. Now we'll be listening from Mohini Didi. Je ne sais pas si vous m'avez entendu plus tôt, mais c'est l'éveil des pouvoirs. Om Shanti. Dieu Shiva, à travers Brahma, a créé Adidev. Sur le chemin de Bhakti, ils disent Durga est pour nous, c'est Mama Saraswati. Et c'est de Adi Devi. Donc, il a créé à travers Adi Devi plusieurs déesses. Maintenant, nous comprenons comment chacune d'entre nous. Nous sommes une partie de cette création. Rappelez-vous toujours que je suis la création de Shiva à travers Adi Devi. Parce que le père Brahma devait donner des tâches à Mama pour soutenir le Yagya et plusieurs Adi. Les jeunes Kumari sont venus au Yagya. Ils ont reconnu qu'elles étaient des chefs Shakti. Elles ont réellement joué le rôle des Shakti. Tant d'obstacles sont venus, beaucoup de démons, des influences Devis sont venues et ils ont créé de grands défis. Mais les Shiv Shakti étaient stables et victorieuses. Une des qualités importantes qui est requise en ce temps-ci, parce que chaque vertu est une énergie et nous avons besoin de toutes sortes d'énergies. Une des énergies qui était très utile pour nous, pour la vie, en ce moment, c'est le contentement. Et en hindi, vous avez dû
à entendre parler de Sœur Santosh. Santosh veut dire contentement. Et pour les DIS, ils l'appellent Mère Santoshima. Ma veut dire mère. Lorsque nous disons mère, premièrement, je dois me regarder moi-même, dans moi-même, en fait, la qualité du contentement. Plusieurs aspects. Le premier, c'est que si je vis maintenant, en ce moment, et que je me demande, est-ce que je suis empli de contentement? Est-ce que je suis une image du contentement? Qui va se donner le certificat en ce moment? Oui, chacun, vous êtes tous des images de contentement. Parce que lorsqu'il y a des images de contentement, ça demande aussi des pouvoirs. Le pouvoir important, c'est l'acceptation. Le pouvoir d'accepter le moment, quoi qu'il arrive, où que je sois, quoi que je sois, il y a du contentement. Alors, pour débuter tout avec contentement et pour finir tout avec du contentement, lorsque je dis que le contentement requiert la confiance en soi. Oui, je vais être capable de le faire. Vous avez une idée et vous en parlez, vous la partagez. Et ensuite, cette idée circule. Il y en a qui doivent la faire arriver pour que ça puisse se faire. Maintenant, ça peut être les deux possibilités, que cette idée reste comme une idée. Ça peut être abandonné, mais ça reste en forme d'idée ou elle n'a pas été acceptée ou elle n'a pas été créée. Ou il y a une idée qui est acceptée rapidement et qui a été créée. Donc, je dis, je suis très satisfaite, mais sinon, peut-être que je ne suis pas satisfaite. Donc, je devrais être satisfaite parce qu'en accordance avec le drama, cela était OK. Donc, subtilement, quelquefois, il y a des attachements aussi. Parce que le « je » et « moi », beaucoup d'attachement à mon idée. Alors, quelqu'un a dit, comment est-ce que je peux savoir que cette idée est venue dans mon esprit de Baba ou si c'est la mienne? Donc, s'il y a une magnifique idée et les choses commencent à arriver où nous sommes capables de le faire, mais lorsque ça n'arrive pas, si je continue d'avoir cette pensée et aussi me plaindre d'une façon subtile. Et pourquoi est-ce que mon idée n'a pas été acceptée et que je réagis? Didi Moini disait, parce que c'est ton idée, ce n'est pas celle de Baba. Alors, je sais maintenant que lorsque c'est mon idée, ça me fatigue, ça me dérange. Si ça a été créé, j'ai un petit peu d'arrogance sur le résultat, ce n'est pas bon. Et si ce ne l'est pas, alors je suis désappointée. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a du contentement, la première chose que nous devons faire, c'est lorsque j'ai une idée, alors je l'offre à Baba. Et ensuite, je dis, quoi qu'il arrive. Hier, j'ai eu une idée très peu pour une âme. Il était très heureux. Et aujourd'hui, ça a changé. Ça aussi, ça arrive. Et c'est drama. Pourquoi est-ce que je perdrais mon contentement? Pourquoi est-ce que je vais perdre mon bonheur? Donc, vous semez une graine
il cela va arriver ou ça va grandir au bon moment. Dans le contentement, vous devez avoir aussi la foi complète dans le drama que quoi qu'il arrive, c'est précis. Quelqu'un a dit, lorsque je suis venue à Baba, j'ai fait ceci, c'est arrivé comme cela, et j'ai dit, c'était nécessaire. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, c'est toujours utile à un moment ou à un autre. Nous ne devrions jamais regretter et créer ce mécontentement ou même se plaindre à propos de rien. Parce que c'était parfait, c'était requis. Ce qui était requis, quelle que soit une formation, un apprentissage. Donc, nous avions peut-être aussi expérimenté cela dans le passé. Donc, le contentement, c'est une énergie magnifique. Et votre visage est toujours de bonne humeur. La joie intérieure est toujours là aussi. Je suis un instrument de Baba. Baba va m'utiliser, mais je dois être un instrument qualifié. Autant que je peux me qualifier, Baba peut m'utiliser parce que cela, je dois le faire. Et ça pourrait être, bien sûr, spirituellement, grandir avec mes efforts, mais aussi avoir un grand cœur, la générosité, être miséricordieux. Donc, quelques belles qualités à l'intérieur de nous et aussi demeurer content. Pour moi, j'ai toujours, depuis, je me suis toujours sentie si fortunée et je me suis rappelée aussi que personne ne peut m'aider à créer ma fortune. Parce que la fortune parce que le faiseur de fortune n'est qu'un seul. Donc, quoi qu'il dise, je vais être contentée. Il m'a donné tant de bénédictions. Je me souviens à chaque pas que j'ai reçu des bénédictions des Daddy, de Baba, mais mon focus était toujours dans ma vie, que c'était dans mes mains, même si j'avais pu faire les choses encore meilleures ou quelqu'un n'aurait pas dû faire ceci ou cela. Honnêtement, vous avez tous l'expérience que vous ne pouvez changer personne. Vous pouvez les inspirer, vous pouvez être un exemple, vous pouvez avoir des pensées pures. Mais vous ne pouvez pas changer personne. Cette qualité de contentement, cette vertu de contentement profondément en nous crée en nous ce que nous appelons la joie intérieure. D'un côté, il y a le bonheur et de l'autre, la joie. Et c'est la joie au-delà des sens, donc le bonheur au-delà des sens. Donc, le bonheur et la peine peuvent être attachés aussi à des acquisitions ou du succès. Je suis très heureuse parce que ceci est arrivé. Je suis très heureuse parce que j'ai pu faire quelque chose, mais la joie, c'est quelque chose de plus profond. Donc, cette question avait été discutée pendant la journée que oui, nous entendons que Baba, c'est l'océan d'amour et de paix. Nous disons l'océan de bonheur, mais quelle est l'expression? Alors, nous pensons imaginez que si c'est Chef Baba se mettait à sauter et à danser. Donc, le premier prince de l'âge d'or, qu'il a reçu de Dieu? La majorité des gens vont apprécier Dieu et vous parler de
aux Hare Krishna et ils vont dire les Prema Kumaris sont si sérieux, ils ont beaucoup, beaucoup de silence et sourient tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'ils sourient parce qu'ils ont. Il y en a qui sont venus à Peace Village pour quelques jours et ils nous ont trouvés tellement sérieux. Ils ont dit, où sont les sourires? Alors, cette joie intérieure. Parce que le temps vient où il y a cette expérience de joie au-delà des sens. Vous allez au-delà dans la conscience et il y a tout ce sentiment de légèreté. Lorsque je suis venue à Baba, je me rappelle que je suis allée un petit peu dans cette ivresse spirituelle. Et je suis assise et je commence à bouger et à danser. Et c'était comme naturel. Et quelqu'un qui me demande aujourd'hui de danser ou de faire RAS, je dis non. Bon, bien sûr, nous le faisons parce que les autres centres aussi voulaient RAS. Donc, ce que je vois dans cette joie de la descente, c'est à l'âge de confluence. Il y a le contentement. La joie, ce sont deux expériences magnifiques et nous devrions les expérimenter, bien sûr. Nous faisons du yoga, nous faisons tout, mais ce ne devrait pas être seulement en restant assis. Comme toujours, j'ai expérimenté. J'ai réalisé que je devais faire que mon intellect soit. Deviennent très calmes pendant 10 minutes parce que il y a des téléphones pour des heures et l'intellect doit être rechargé. Donc, la paix de l'esprit, c'est différent, mais l'intellect, être tranquille dans l'intellect et toute l'énergie qui vient et toute la clarté qui arrive, c'est incroyable, cette belle expérience. OK, donc, nous nous asseyons, nous faisons du yoga, des bassis, nous nous rechargeons, mais aussi, comment est-ce que l'âme est conditionnée de recevoir de l'énergie et d'utiliser l'énergie 24 heures? C'est pendant 24 heures, l'intellect travaille 24 heures sur 24, c'est beaucoup. Et le corps aussi est connecté à l'esprit, à l'intellect, donc. Autant que j'ai pu pratiquer pendant la journée, mon intellect, le garder très calme, très tranquille. Il y a drama, Baba. Donc, 10 minutes, 15 minutes, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Alors, pratiquer cela est très important. Donc, la joie intérieure vient de quelques-unes de ces pratiques. Nous ressentons vraiment la joie au-delà des sens parce que nous ne nous sentons pas fatigués, surutilisés, l'intellect. Il y a plusieurs personnalités et l'intellect est très bon, mais pour être meilleur, il y en a qui sont très intellectuels, que chaque pensée qu'ils font, ils vont le faire de façon intellectuelle. Pour moi, je pense que si je le fais de mon cœur, comme Baba dit, avec des pensées pures, définitivement, il y aura plus d'acquisition. Mais aussi, il y a la sagesse. En hindi, on dit non, Mimi Kanon. Donc, tous les gourous, leur dernier mot est appelé Anan, ce qui veut dire bliss, qui veut dire grand bonheur, la félicité. Donc, c'est la félicité suprême.
Donc, la qualité du contentement, la joie au-delà des sens et le niveau de félicité, ce que nous devons atteindre spécialement et que nous devons partager aussi en tant que bénédiction. Alors, pensez au contentement, pratiquez-le. Et aussi, regardez aussi à votre esprit, votre intellect. Avant, nous ne savions pas c'était quoi la différence. Maintenant, nous le savons. Vous pouvez continuer d'intellectualiser. Et nous ne trouvons pas beaucoup dans le cœur. Donc, dans l'esprit, il y a le cœur. Donc, il y a plus de force et plus d'énergie, donc profondément à l'intérieur. C'est très important ce temps, cette énergie de contentement, santoche. Donc, santoche. La mère, pourquoi nous l'appelons la mère? Parce qu'elle soutient toutes les qualités. S'il n'y a pas de contentement, vous n'êtes pas paisible, vous n'êtes pas heureux et toutes les autres choses arrivent. Et donc, cette qualité en tant que mère soutient toutes les autres qualités, donc la joie au-delà des sens. Et aussi être dans un état de félicité. Donc, subtilement, nous pouvons ressentir de la peine pour n'importe quelle raison. Ça peut être vos sanskars, le sanskar des autres. Ça peut provenir des autres. Nous devons aller au-delà de cela. Donc, être détaché, je dis toujours, donner du soutien à chacun, mais ne dépendez pas émotionnellement de personne, parce que la dépendance émotionnelle cause beaucoup, beaucoup de peine. Donc, vous n'avez pas fait cela, je t'ai aidé, tu n'as pas fait cela. Donc, de prendre de l'aide, de la coopération. Donc, il y a de la dépendance subtile. Comment, à travers notre énergie pure, faire la tâche de Baba, accomplir la tâche de Baba, accomplir tout ce que nous avons accompli de chacun. Et aujourd'hui, c'est la déesse Santoshi Ma. Donc, réfléchissez à cette qualité. Je suis certaine que vous allez voir que vous allez trouver cette qualité. Des fois, elle est manquante un peu. Et prenez cette bénédiction à ce jour de Santoshi Ma. Et prenez cette bénédiction d'être toujours, toujours content. Donc, mes sentiments de gratitude envers Baba et la famille peuvent être utilisés. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Santoshi Ma. Les neuf nuits des déesses. Voyons la signification de Santoshi Ma. Bienvenue à la série Navatri. La déesse Santoshi, elle est considérée la manifestation de Durga. C'est la déesse de la joie. C'est la fille de Lord Ganesh. Elle a un grand cœur, elle est pure et gentille. Le mot Santosh veut dire happiness, veut dire bonheur, contentement.